بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا أرحم الراحمين شيخ خير شيخ سير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nous allons, Inch'Allah, aujourd'hui, en ces quelques minutes, nous entretenir autour d'un sujet qui doit en réalité être la base dans la vie de tout croyant. Une thématique qui ne doit en aucun cas quitter l'esprit du musulman, l'esprit du croyant. Il s'agit de la grandeur de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si'atu rahmatillah. La grandeur de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, dans plusieurs endroits du Coran, plusieurs versets, plusieurs textes, et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous appellent à prendre conscience de ce que représente la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces mêmes textes nous font savoir que la miséricorde est la règle, c'est ce qui caractérise Allah subhanahu wa ta'ala, entre autres. Il fait partie de ses noms et attributs, d'ailleurs, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Le clément, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et si on parcourt le Coran, d'abord dès l'ouverture du Coran, eh bien, la première chose sur laquelle, ou le premier élément sur lequel nos yeux vont se poser, c'est sur cette notion de Rahma. Allah subhanahu wa ta'ala, il commence le livre, le Coran, par cette notion de Ar-Rahma. Combien de lettres existent dans le Coran? Combien de mots existent dans le Coran? Combien de versets existent dans le Coran? Combien de surahs, de sourates existent dans le Coran? Mais quand on l'ouvre, la première affirmation ou la première phrase, ce qu'on appelle verset, le premier verset du Coran nous ramène sur ce principe. Pour nous dire, c'est une manière de nous donner une idée de ce que représente ce livre, ce Coran. C'est un livre de miséricorde, c'est un livre de pardon, c'est un livre d'indulgence, c'est un livre à travers lequel, eh bien, on rentre dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Pourquoi il commence par nous plonger dans ce principe, dans cette notion de miséricorde? Il aurait pu dire Bismillahil Jabbar al-Muntaqim. Il aurait pu dire Bismillahil Aziz al-Qahhar. Il aurait pu utiliser d'autres noms et attributs. Il aurait pu utiliser d'autres noms et d'autres attributs qui lui reviennent. Mais il utilise la miséricorde, Ar-Rahman, Ar-Rahim, la clémence et la miséricorde. Et si on regarde le Coran, on essaie de voir combien de fois le mot Ar-Rahman, les mots Ar-Rahman et Ar-Rahim sont utilisés dans le Coran, sont répétés dans le Coran. Eh bien, nous en trouverons des centaines. Rien que le mot Ar-Rahman, sans compter
Ar-Rahman qui se trouve dans les basmalas. Vous savez, au début de chaque sourate du Coran, nous avons cette formule, ce verset. Bismillahirrahmanirrahim, à l'exception d'une seule sourate, mais que ce basmala est rattrapé dans une autre sourate. Donc nous avons 114 fois dans le Coran où il est répété ce verset, cette formule. Bismillahirrahmanirrahim. Donc nous ne comptons pas ce Ar-Rahman et Ar-Rahim qui se trouvent dans cette formule, dans ce verset. Les autres endroits où Allah parle de Ar-Rahman, il répète 44 fois le mot Ar-Rahman et 92 fois le mot Ar-Rahim. Pourquoi Allah, vous pensez que il manque de quoi s'exprimer, il manque de quoi dire, il manque de sujet pour qu'il nous répète sans cesse Ar-Rahman, innahu huwa al-ghafur ar-rahim, innahu kana rahman. إنه كان غفارا وهو يعني الرحمة 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 لا تقنطوا من رحمة الله. Combien de fois? C'est pas parce qu'il manque le sujet, mais c'est pour nous montrer, nous appeler à considérer et à nous plonger dans cette notion et à comprendre combien de fois cette notion le définit, lui Allah subhanahu wa ta'ala. Et par conséquent, ou à la fin de l'histoire, faire en sorte que nous soyons parmi ceux qui vont avoir cette immense miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. 44 fois le mot Ar-Rahman et 92 fois le mot Ar-Rahim. En réalité, c'est 44 plus 114, puisque nous n'avons pas compté les Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim du Coran. 44 fois 114 et 92 fois 114. Non, plus plutôt, je vais dire. 44 plus 114 fois le mot Ar-Rahman. 92 plus 114 fois Ar-Rahim dans le Coran. Donc ça nous donne une idée de l'importance et de la présence de ce principe dans la définition d'Allah. Si nous voulons connaître Allah, ce n'est pas que cet élément, ce n'est pas que ce principe qui le définit, mais il nous montre sans cesse, il n'arrête pas de répéter que Allah, il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le clément. Et quand on parcourt encore une fois le Coran, cette notion, combien de fois elle revient? Allah subhanahu wa ta'ala appelle ses serviteurs. Et quand il dit serviteurs, c'est tous ceux qu'il a créés, subhanahu wa ta'ala. Ce ne sont pas uniquement les pieux, ce ne sont pas uniquement les croyants, ce ne sont pas uniquement ceux qui ont accepté de répondre à son appel. Ce n'est pas uniquement ceux qui ont suivi le chemin tracé par Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais il appelle tout le monde. Tout le monde. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il réserve des choses. Premier élément, et vous allez voir dans tous les versets que nous allons citer, puisque nous allons tourner autour que des versets qui parlent, qui nous ramènent à cette notion que nous sommes tous serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous a créés pour nous faire miséricorde et non pas pour nous châtier. La règle, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala fait miséricorde à tout le monde. Wa rahmati wasi'at kull shay. C'est Allah qui nous dit que sa miséricorde enveloppe ou touche toute chose. Et quand on dit chose, il parle de choses, ce ne sont même pas uniquement les humains. Kull shay. Toute chose. Les choses, les humains, les anges, les djinns, les plantes, l'atmosphère, la nature, les pieds, ainsi de suite. Kull shay wa rahmati. Sa miséricorde touche toute chose. Allah se définit en disant Kataba ala nafsihi ar-rahma. Il a inscrit en lui-même, il s'est obligé lui-même, puisque il a le droit, c'est lui qui décide, il ne rend compte à personne. Kataba ala nafsihi ar-rahma. Il s'oblige lui-même
Il se définit par la miséricorde. Et donc cette miséricorde touche toutes choses, y compris ses serviteurs. Ses serviteurs, pieux, croyants et incroyants, tous rentrent dans le cadre de ses serviteurs, puisque c'est lui qui nous a créés. Qu'on accepte ou pas, nous sommes tous des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, écoutez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala prévoit et ce qu'il garde pour ses serviteurs. La première chose, c'est qu'il leur garantit de les protéger. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Allah garantit à ses serviteurs de les protéger contre le diable, contre Shaytan, contre Iblis. Inna ibadi, certes mes serviteurs, tu n'auras pas, s'adressant à Iblis, au diable, mes serviteurs, tu n'auras pas de force sur eux. Premier élément. Deuxième élément, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il est compatissant, qu'il est indulgent vis-à-vis de ses serviteurs. Allahu latifun bi'ibadi. Allah est compatissant, est indulgent, est douceur, est facilité pour, vis-à-vis de ses serviteurs. Il nous dit quoi ? Il est très proche de ses serviteurs. Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni. À chaque fois, il utilise le terme « ibadi », ça doit nous interpeller. « Ibadi ». « Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ». Et lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, annonce-leur que je suis tout prêt. Mes serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala accepte leur repentir, le repentir de ceux qui sont allés très loin. « Wa huwa alladhi yaqbalu tawbata » Et c'est lui qui accepte le pardon de ses serviteurs. C'est lui qui accepte le repentir plutôt de ses serviteurs qui ont commis des excès, qui ont commis des fautes, mais qui reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui accepte le repentir de ses serviteurs quand ils reviennent vers lui. Et il nous dit quoi ? C'est lui qui nous fait miséricorde. Il nous donne la garantie de pardonner tous nos péchés si on revient vers lui. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ. Remarquez le terme « ibadi » revient toujours. Il parle de « ibadi » de ses serviteurs, alors que là, le verset parle de ceux qui ont commis des excès. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ. Il parle de ceux qui ont commis des excès au niveau des péchés, qui ont dépassé la limite, qui y sont allés très 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 loin, qui sont arrivés au point quasiment de non-retour. Et bien, il les appelle par mes serviteurs. Qul ya ibadi alladhina asrafu, dit, ô mes serviteurs, vous mes serviteurs qui avez commis des excès, la taqnatu min rahmatillah, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Serviteur, miséricorde vis-à-vis, par rapport à l'excès au niveau des péchés. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait miséricorde et fait miséricorde à ses serviteurs. Nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim. Annonce à mes serviteurs que je suis le pardonneur par excellence et le clément par excellence. Ibadi, le terme ibadi. Et le terme al-ghafur al-rahim. Allah subhanahu wa ta'ala préserve ses serviteurs de la peur du grand jour, la mort, la résurrection, le jugement dernier. Ya ibadi la khawfun alaykum al-yawma wa la antum tahzanun. « Oh, mes serviteurs, nulle peur, nulle crainte ne doit vous affliger, ne doit vous toucher ce jour. » Je pense que vous avez constaté, vous avez remarqué avec moi que le terme « ibadi », Allah subhanahu wa ta'ala ne l'utilise pas uniquement en parlant de ceux qui
n'ont pas grand-chose à se reprocher. Ceux qui ont une foi conséquente, ceux qui... Non. Allah utilise ce terme, « ibadi », « mes serviteurs ». Il s'adresse à ses serviteurs, à ceux qu'il a créés, qu'ils soient pieux ou pas, qu'ils soient croyants ou pas. Maintenant, c'est à nous d'être à la hauteur du fait d'être parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ce ne seront pas tous les serviteurs d'Allah qui vont bénéficier de tout ce que nous venons de citer. Le pardon, la miséricorde, la proximité, la protection et la sécurité, la sérénité. Oui, nous sommes tous ses serviteurs, mais ce ne sont pas tous ses serviteurs qui vont bénéficier de tous ces éléments. C'est uniquement ses serviteurs qui ont accepté de suivre le chemin qui a été tracé par lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Cette notion, mes chers frères et sœurs, en islam, cette notion nous ramène à quoi? Et c'est l'objet de ce discours, c'est l'objet de ce message. C'est de garder en tête que Allah, c'est lui le juge. Et le juge, il est compatissant, il est miséricordieux. Allah est le seul juge de ses serviteurs. Et ce juge, ce grand juge, il se révèle, il nous montre qu'il est compatissant, qu'il est clément, qu'il est miséricordieux, qu'il est pardonneur. Je répète encore, Allah, il est le seul juge. Par conséquent, nous qui nous érigeons en juge face à nos frères et sœurs qui commettent des fautes, qui commettent des erreurs, qui commettent des péchés, nous nous érigeons en juge, nous bannissons les gens de la miséricorde d'Allah. Rappelons-nous que nous ne sommes pas des juges. Nous ne devons pas être des juges. Et quand je le dis, cela ne veut pas dire qu'il faut être indifférent face au mal qui se produit face à nous, devant nous. Être juge de quelqu'un et être indifférent face au mal font deux. Être juge, c'est de classer la personne. En gros, toi tu iras au paradis, toi tu iras en enfer. Toi tu es parmi les malheureux, toi tu es parmi les heureux. Cela ne nous revient pas. Par contre, quand on voit un mal, nous devons réagir. Réfléchir avant de réagir. Réfléchir sur la manière dont il faut réagir. Est-ce qu'il faut parler? Est-ce qu'il faut agir par des gestes? Ou est-ce qu'il faut agir par le cœur? Parce que, rappelez-vous, c'est en fonction du contexte, c'est en fonction de la situation. C'est la situation, le contexte qui nous permet de savoir comment agir face au mal. Il y a des mots, il y a des choses face auxquelles la sagesse veut qu'on ne parle pas. Parce qu'en parlant, on risque d'aggraver la situation. Il y a des situations, des contextes qui veulent qu'on agisse. Parce qu'en parlant, on risque d'aggraver la situation. Tout cela relève de la sagesse, mes frères et sœurs. Revenons à cet élément principal. Combien de fois? Et cela fait partie des problèmes qui gangrènent notre société et particulièrement la communauté. La communauté. Nous nous érigeons en juge. Nous bannissons les gens. Et heureusement que le paradis et l'enfer appartiennent à Allah. Heureusement que ce paradis et l'enfer n'appartiennent pas à un individu, à un d'entre nous. Parce que sinon, le paradis serait vide. Il serait vide. Mais sa sagesse, sa miséricorde, tous ces éléments ont primé. Et c'est pourquoi nous devons faire preuve d'indulgence et de clémence face à nos frères et sœurs que nous considérons, ou parfois qui peuvent être dans des excès, qui peuvent être dans des situations
pas souhaitables, qui peuvent se retrouver dans des situations que personne ne souhaite, qui peuvent se retrouver dans les excès au niveau des péchés. Oui, nous avons le droit d'essayer de parler à ces gens, d'essayer d'aider ces gens à réparer et à revenir sur le droit chemin. Mais en aucun cas se révéler, se montrer juge. Parce que celui que tu considères égaré aujourd'hui peut devenir le meilleur serviteur demain. Et toi qui te considères comme étant sur le droit chemin, demain tu peux te retrouver dans des situations pas souhaitables. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il tient les cœurs de ses serviteurs entre ses deux doigts. Il les retourne comme il veut. Le très pieux aujourd'hui peut être le pire demain. Et le pire aujourd'hui peut se révéler le meilleur demain. Nous ne sommes pas des juges. Agissons quand on voit un mal. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir. Sur la base de ce hadith, celui d'entre vous qui voit du mal, qu'il essaie de le changer. Mais ce tahrir, ce changement, cette amélioration du bien demande de la sagesse, de la compréhension et de l'intelligence. Nous, souvent, on est dans le jugement. On est dans le jugement, on étiquette les gens, on met des étiquettes aux gens parce qu'il a tel défaut, parce qu'il a tel problème, parce qu'il est dans cette situation, il est dans ce contexte, il est dans ce chemin. Il est dans ce chemin. L'indulgence, la clémence, la miséricorde caractérise le Coran, caractérise Allah, et c'est ça la règle. Et c'est ça la règle. La règle, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour nous faire miséricorde. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ أي خَلَقَهُمْ لِيَرْحَمَهُمْ. Allah nous fait savoir que Il nous a créés pour nous faire miséricorde, et non pas le contraire, et non pas pour nous châtier. Cela nous ramène au principe de positiver les choses et d'avoir toujours cette bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rappelons-nous, il nous dit quoi ? « Ana inda dhanni abdi bi » Allah nous dit qu'il sera là où son serviteur le met. Si son serviteur considère qu'il est tout miséricordieux, il est clément, et bien entendu, il fait preuve. Il ne s'agit pas de dire uniquement. Il faut que la conviction, il faut que les paroles soient en adéquation avec les actes. Si tu considères qu'Allah il est miséricordieux et tu cherches cette miséricorde, il sera miséricordieux vis-à-vis de toi. Et si tu considères le contraire, et tu penses qu'il ne peut être que châtieur, il ne peut être que le mauvais côté, il ne peut être que, pas le mauvais côté, mais il ne peut être que sanctionneur, et que tu gardes que cette image, il y a des risques que l'on se retrouve, que tu te retrouves, toi qui as cette opinion, que tu te retrouves face à cette situation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de comprendre cet élément et de pouvoir agir en fonction de cet élément. Moi, quand j'ouvre le Coran, mes yeux tombent en premier lieu sur Bismillahir Rahmanir Rahim. J'ai envie de m'y plonger, de me plonger dans cette miséricorde annoncée par ce premier verset du Coran. Le Coran est tout entier miséricorde. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous le fait savoir. Qu'Allah encore une fois nous permette de comprendre cet élément et d'agir en fonction de ce principe. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.